tous les mecs, ça va? Salut, ça va, ça va, te dérange pas en plein boulot là? Oh là, c'est le début, ça va, c'est calme encore. Bon, si t'es pas ouvert. Situons la scène, on est dans le stand d'Esté aux Hurricanes, au troisième jour. Ça fait déjà deux jours que vous chauffez dans tous les sens à faire des lettrages sur des casquettes et des sacs bananes pour les gens qui passent et qui demandent à écrire leur nom, n'importe quel message. Ouais, vous faites partie d'un collectif artistique qui s'appelle donc la 9e. Et j'aimerais bien qu'on puisse parler de tout ça. Ouais. Donc, c'est quoi alors? C'est quoi la 9e concept? Alors ça s'appelle 9e Concept, c'est un collectif qui a 25 ans maintenant, qui a été formé par trois potes qui s'appellent Ned, Steph, Carré Condo et Jer45. Voilà, trois potes qui sortaient de l'école, qui voulaient vivre de la peinture et qui ont commencé à essayer de trouver des plans et tout ça. Peinture, en tout cas c'est quand même très street ce que vous faites. Ouais, peinture, dessin, tatouage éphémère. Ils ont bossé avec Despé dès quasiment le tout début de la marque. Et donc a commencé les premières tournées nationales où ils faisaient des tatouages éphémères, des objets customisés en soirée. Et petit à petit, ça a grossi, ça a commencé à générer une économie, donc ils sont devenus une société. Puis ils ont recruté petit à petit d'autres illustrateurs, peintres. Et voilà, ça dure comme ça depuis un moment. On travaille avec différentes marques, on organise des expos, des résidences. Et voilà, on essaye de faire des dessins un peu partout, sous tout type de support. Et comment ça se passe du coup? Là, c'est les gens qui viennent vous voir, qui vous demandent, qui vous parlez un peu avec eux en amont pour avoir des idées de quel type de lettrage vous allez mettre en place ou... Non, ça dépend, il y en a qui sont un peu plus directs en fait, ils font « c'est quoi que tu fais là ?» Ben là tu lui dis « bonjour, excuse-moi, tu fais des casquettes ». Donc ouais, non, on essaie de discuter un petit peu avec eux, mais normalement ils donnent pas de commandes directement, faut vraiment qu'on exprime nous, notre art et notre singularité à travers notre dessin sur les casquettes. Donc là maintenant on fait comme Clem est très très bon typographe et moi je m'amuse aussi un petit peu avec. On essaye du coup de donner des idées aux gens sur des noms, des surnoms, des trucs comme ça, comme on a des blogueurs qui viennent nous voir aussi. Ils aiment bien avoir leur petit nom dessus aussi, donc voilà, c'est cool. L'égotype du blogueur. Voilà. Et combien de temps que vous travaillez ensemble? Moi ça fait 6-7 ans que je suis dans le 9e maintenant. Clément ça doit faire beaucoup plus. Ça fait 13 ou 14 ans. 14 ans je crois. 2001. Ouais, c'est. Et combien de temps vous dessinez du coup depuis d'être tout petit? Toujours. Ouais, généralement nous tous, quand t'es là-dedans, t'as commencé, comme tous les enfants, tu dessines quand t'as 2-3 ans. Puis nous on n'a pas arrêté. Finalement. Alors il y a une différence de dessiner sur une feuille blanche que sur une casquette, que sur un quel type de support. Ouais, des différences techniques, là par exemple les casquettes, c'est du textile ou de la mousse, faut les apprêter, c'est un peu plus galère, le support est pas plan, donc c'est un petit peu autre chose, mais en même temps on aime bien ce truc là d'être un peu 4x4 quoi, pouvoir œuvrer sur n'importe quel type de support, on aime bien ce truc là et puis ça nous change aussi. Et à part les mecs un peu bourrés qui viennent nous voir en festival, les anecdotes des gens incroyables qui sont venus et qui ont discuté avec vous depuis quelques années, il y en a beaucoup parce qu'on a fait pas mal de tournées événementielles avec Despé, donc des tatouages éphémères. Ouais. Tatouer sur des gens bourrés par exemple, c'est un bon exercice aussi quand on parle de supports différents aussi. En plus, ils peuvent être tout moites. C'est assez acrobatique. Tu peux plus les tatouer. Mais tu peux, quand il fait vraiment chaud, tu fais trois traits, tu jettes le feu. Ouais. C'est bon. Et des petites anecdotes croustillantes, il y en a un paquet, C'est toujours les mecs qui arrivent, donne-moi un pipi, un moins caca et des trucs un peu. On demande toujours une bite, t'en as toujours un forcément. Et puis le mec il pense que c'est la première fois qu'on te l'a fait la blague, je suis content. Fais une bite. Ouais, je vais être franc, discutant un peu avec vous, j'avais envie de faire une bite sur ma casquette, mais je me suis dit c'est trop cliché. C'est ça. Une fois, on m'avait demandé des monsieur et madame patate qui se font des bisous. Ça m'avait fait rire, tout sur les bras, comme ça, ils voulaient monsieur et madame patate, elles se faisaient des bisous, c'était comme ça. Un petit truc mignon, on va dire, parce que sinon on en avait plus salé. Vous avez combien de commandes à peu près là sur les 3 jours du festival? Je sais pas, on doit faire. 70 sur les 3 jours. Sur les 3 jours. On va bien en faire 20 par jour, quoi. Ah, au moins, on a une trentaine de casquettes par jour. Et à part le dessin, du coup, là, sur la 9e, vous exposez, vous avez votre propre truc Ouais. Nous, on a monté un autre atelier qui s'appelle Le Terrier, avec Olivia Debona et Théo Lopez. Ce sont aussi deux autres artistes issus du 9e concept. Et du coup, on a un endroit en plus pour bosser. On a rassemblé nos trois réseaux, donc du coup, ça, on n'arrête pas. Et on est toujours en collaboration avec le 9e.
Mais on essaye juste de faire d'autres événements encore, et d'autres expositions, d'autres portes ouvertes. Et voilà, toujours en collaboration avec les copains. C'est nécessaire ça qu'un site artiste collabore avec d'autres artistes pour monter des confédérations d'artistes et aller plus puissamment auprès des marques? Non, mais c'est mieux que de rester enfermé. Je crois qu'il y a un problème aussi chez certains artistes, comme ça, qui bossent dans la rue, d'égocentrisme, souvent. Ouais. Ils sont seuls, égotripes, et en fait ils vont se renfermer dans leur dessin, ils ne vont pas évoluer forcément. Alors que si tu bosses en équipe, déjà tu vas avoir la confrontation de la composition, de savoir comment tu vas bosser avec quelqu'un, comment, avec 2, 3, 4 personnes, et comment réussir à faire vivre correctement une pièce sans que ça soit le bordel. Et ça crée une vraie identité alors qu'il y a 4 personnes dedans. Donc ça, c'est un très bon exercice, et en plus, bien sûr, on s'inspire mutuellement, on se donne des références à chacun, on se retrouve sur des passions similaires aussi, donc c'est vachement plus enrichissant, on va dire, et gratifiant de bosser en équipe. C'est un truc qui m'avait manqué quand j'étais sorti de l'école des Beaux-Arts. Tu te retrouves tout seul à faire un petit graphiste en freelance, tout seul chez toi, et t'as personne en fait pour pouvoir évoluer et progresser, quoi. Ouais, et puis c'est des métiers solitaires, généralement les métiers artistiques, à part quand t'es musicien et que tu joues en groupe, mais t'es seul face à une feuille de papier, à une peinture, à une sculpture. Donc je pense qu'on aime bien aussi se retrouver entre artistes, parce qu'on s'aperçoit qu'on partage les mêmes choses, qu'on vit les mêmes questionnements par rapport à ce qu'on fait. Et du coup, ouais, c'est un truc qui fonctionne bien. Il y a aussi de plus en plus de résidences artistiques qui s'organisent. Les villes, maintenant, commencent à voir qu'elles peuvent faire du buzz ou porter l'attention sur elles parce qu'elles ont un lieu désaffecté dont elles ne se servent plus. Les artistes, ils demandent que ça, d'avoir un grand mur à peindre, et ils sont tout contents. Donc il y a de plus en plus d'initiatives comme ça qui se font. Donc on se retrouve beaucoup, de plus en plus entre artistes pour aller faire des résidences ou des murs collectifs, des choses comme ça. En fait, c'est tant mieux pour vous parce que le rapport à l'image, il est quand même de plus en plus puissant avec les réseaux sociaux. J'imagine que plein de gens arrivent, ont envie de faire des Instagram, après les publient sur les réseaux. Ouais. Donc du coup, vous voyez aux Beaux-Arts directement faire ce métier-là, parce qu'il y a quand même quelques années. Parce que l'artiste n'était pas aussi puissant en France. Non, pas vraiment. Enfin, à l'époque, moi je suivais déjà le 9e. Ça va être et du coup on était non, ça va être dégueulasse sur t-shirt, ouais, c'est élastique, c'est dessiné sur le t-shirt, c'est un peu. Okay. Ah, l'artiste il est pas beau, peu, il est très méchant, ouais, il est en fait, tout de suite, quoi. On va reprendre juste après parce que ça m'a dérouté, je sais plus même plus ce que je disais. Non, je parlais du rapport à l'image et du fait que dès le départ, quand tu étais en école, tu as étudié, tu disais déjà que tu avais envie, ça dérouté de faire du ski carrément comme ça. Tu sais pas vraiment. Qu'est-ce par rapport aux rencontres et par rapport à ce que tu fais, quoi. Excusez-moi, on fait juste une petite interview, là, si vous pouvez patienter 2 minutes. Merci. Ouais, du coup, non, en fait, le 9e, moi, je le connaissais déjà de réputation quand j'étais à l'école, mais je pensais jamais bosser avec eux. À la base, je me suis dit, les mecs ont tout compris parce qu'ils arrivent à exprimer leur art tout en bossant avec une marque. Mais je pensais pas du tout pouvoir les connaître, les rencontrer, et tout s'est fait vraiment naturellement et par hasard. J'ai emménagé dans le 12e, il y avait l'arrière-boutique qui était juste à côté. J'ai une très bonne pote qui m'a présenté Steph Medegerk aussi parce qu'elle avait tourné avec eux à l'époque alors qu'ils exposaient à Beaubourg. J'ai fait bon, c'était que des choses faciles comme ça. Et... Note de la rédaction, l'arrière-boutique, c'est lieu d'expo du 9e qui est dans le 12e. Voilà, on a organisé des expos tous les 2 mois il y a quelques années là-bas et on a réouvert le lieu cette année. Il y a eu déjà 2 expos. Voilà. Et là, du coup, donc, vous êtes quand même créateur à la base, vous dessinez. Vous avez envie de créer sur d'autres supports d'images, pareil, je sais pas, le cinéma, les courts-métrages, même de faire de la musique, quand vous faites un festival de musique, ça vous tente de changer vraiment totalement de voie artistique. Franchement, toutes les opportunités sont bonnes. Moi, je sais que, par exemple, je suis un gros consommateur de musique, du coup, j'aime bien quand je me retrouve à faire des pochettes de disques. Là, je peux lier d'une certaine manière un peu les deux. Donc, ouais, j'aime bien ça. Après, je regardais par exemple, les shows vidéo, c'est un truc qui me branche bien. Et c'est en After Effects et faire des animations. J'adorerais faire des fonds de scène pour les groupes, par exemple. Hier, justement, là. Mais non, pas trop de choses. On a vu Chemical Brothers qui ont un truc super poussé. Ouais, visuellement, j'ai pris une grosse claque. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment efficace aussi. Travailler ça. Bon, bah, en tout cas, c'est cool. Bon, merci pour cette petite discussion. Merci à toi. Avoir un peu d'eau parce que là, il fait quand même 50 degrés. Ouais, c'est votre petite cahute là. Et ben, bon courage pour la dernière journée, à continuer à dessiner et bon courage avec tous les relous qui vont venir nous voir. T'as pas trop de gros relous, un peu de temps en temps. Ah, il y a peut-être un rapport en fait, qui sont intimidés surtout. Je sais pas, et puis on a l'habitude de les gérer aussi. Au bout de 15 ans à se taper des mecs bourrés en boîte.
Ouais. On devrait avoir un diplôme de psychologie en mec bourré, je crois. C'est ça. Ça devrait être bon. Bon, bah, à une prochaine, les mecs. Bah, et merci. À bientôt. Bonne discussion pour toi. Merci, à toi. Sébastien. Bye. Hee